Passons à l'étape suivante de la création d'une entreprise, la rédaction des statuts. Mais déjà, est-ce que tu sais ce que sont les statuts ? Les statuts, c'est tout simplement la carte d'identité d'une société. C'est une étape absolument obligatoire pour toutes les sociétés, sauf si tu choisis de créer une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. Bon, à ce moment-là, tu as sûrement trois questions. Quoi, quand, comment ? Commençons par le quoi. Quoi mettre dans les statuts ? Pour le contenu en lui-même, les statuts doivent mentionner plusieurs informations, et notamment la forme juridique de la société, l'objet social, la dénomination sociale, ou encore l'adresse du siège social. Passons au quand. Quand procéder à la rédaction des statuts ? Pour être précise, tu devras rédiger tes statuts après avoir fixé le montant de ton capital social, mais avant le dépôt de ton capital. Et maintenant, dernière question, passons au comment. Comment rédiger ces statuts ? Les statuts, c'est obligatoirement un document écrit. Tu peux choisir de les rédiger toi-même, de faire appel à un professionnel traditionnel, comme un avocat ou un notaire, ou encore, tu peux choisir de te tourner vers une plateforme juridique en ligne, comme LegalPlace.